Alléluia. Shalom à toutes et à tous. Shalom à vous qui nous rejoignez ce midi. Nous vous saluons dans le nom de Jésus et c'est encore une fois de plus une grâce, un privilège de vous retrouver pour qu'ensemble nous puissions nous unir dans la foi et prier et intercéder ensemble. Avant, je voudrais vous inviter simplement à disposer vos cœurs pour entrer dans sa présence. Nous voulons prendre le temps de reconnaître, d'honorer notre Seigneur. Il est présent au milieu de nous, il nous a dévancés. À partir du moment où nous sommes d'accord que nous sommes rassemblés en son nom, nous voulons reconnaître son nom, nous voulons reconnaître sa présence. Et il est au milieu de nous par son esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est là, au milieu de nous. Nous voulons l'honorer. Nous voulons l'honorer simplement en levant nos mains vers le ciel et lui dire que c'est toi que nous honorons. Nos mains sont levées pour t'honorer. Toi, le Fils de l'homme. Rebo Sharabalaboreros. Nous voulons faire comme Moïse bien-aimé. Monter au sommet de la montagne et garder les mains levées. Juste pour l'honorer. Je lève mes mains pour t'honorer. Je lève mes mains pour t'honorer. Seigneur, je lève mes mains pour toi. Ce midi, je lève mes mains pour toi. Seigneur, je lève. Je lève mes mains pour toi. Ce midi, je lève mes mains pour toi. Toi, mon Seigneur, pour toi, je lève. Pour toi, je lève pour toi. Ce midi, c'est une marque d'honneur. Je lève mes mains pour toi. Seigneur, oui, je lève mes mains pour toi. Mon Jésus, je lève mes mains pour toi. Honorant sa présence ce midi et le vent, je lève mes mains pour toi. Mon Seigneur et mon Dieu, oh oui, je lève pour t'honorer. Jésus, je lève. Tu es présent au milieu de nous par ton esprit. Tu es présent au milieu de nous, Seigneur, par le Saint-Esprit. Alors nous voulons honorer ta présence. Nous voulons honorer ta présence à travers ce chant. Nous voulons honorer ta présence en élevant nos mains, simplement pour te dire que nous t'honorons, Seigneur. Je lève mes mains pour toi. Seigneur, je lève. Ce midi, je lève pour toi. Seigneur, je lève. Aïe, les malébo chandari, ara malébo sea. Mandere yara malebro chokondori yara malebo sea. Ah mon frère, élève les mains. Erebo sea malebro si kanderebo sea la malebo. Honore-le avec quelques paroles. Honore-le avec ce chant. Honore-le avec ce cantique. Élevons simplement nos mains vers le ciel. Il y a un mystère en élevant les mains. Yere marebo senderi ala marebo se amara orebo shandari ala marebo se ababa baba. Ni prandere ala malebro soro. Ni prandere ala malebro sa ala marebo so. Oh oui, je lève les mains. Je lève pour toi, non. Seigneur, je lève. Je lève mes mains pour toi. Je lève. Je lève mes mains pour toi. Uniquement pour toi. Je lève mes mains pour toi. Uniquement pour toi. Je lève mes mains pour toi.
moi pour toi, Seigneur. Je lève mes mains pour toi. Sois honoré, notre Dieu. Sois honoré, Seigneur. Sois honoré, Esprit de Dieu. Oh oui, ce midi, nous honorons ta présence. Toi qui es notre Dieu. Toi qui es notre Seigneur. Selon qu'il est écrit, oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Alors nous voulons prendre le temps de te reconnaître. Nous voulons prendre le temps de t'apprécier. Tu es bienvenu au milieu de nous. Nous voulons prendre le temps de t'honorer. Oh oui, c'est toi que nous honorons, notre Dieu. Nous t'honorons afin que ton règne soit manifeste. Nous t'honorons afin que tu te déploies. Durant cette heure de prière, nous honorons ta sainte présence pour te dire, prends le contrôle. Nous honorons ta sainte présence pour te dire, viens et règne. Nous honorons ta sainte présence pour te dire, envahis-nous de toi. Nous honorons ta sainte présence pour te dire, Seigneur, remplis nos cœurs. Nous honorons ta sainte présence pour te dire, Seigneur, remplis-nous nos cœurs. Remplis nos cœurs, Seigneur. Oh, nous te supplions. Ce midi, nous voulons être remplis de toi, Seigneur. Nous voulons être remplis de toi, Seigneur. Alors ce midi, pendant que nous t'honorons, c'est une manière de dire que nous venons devant toi, nous humilier, demander encore plus de toi, demander encore mieux de toi. Remplis-nous, remplis-nous, remplis-nous à déborder, remplis-nous à déborder, remplis-nous à déborder, encore plus qu'hier. Seigneur, augmente la dose ce midi. Ne nous laisse pas comme hier. Nous voulons expérimenter le merveilleux. Nous voulons expérimenter le glorieux. Uniquement avec toi. Seigneur, nous t'honorons ce midi. Et pendant que nous t'honorons, nos cœurs expriment le désir de toi. Nos cœurs expriment la soif de toi. Oui, nous avons soif. Oh, nous avons soif, Seigneur. Et nous venons de le dire en levant nos mains. Nous ne sommes pas satisfaits de là où nous sommes. Voilà pourquoi nous montons. Voilà pourquoi nous montons vers toi. Et nous venons au sommet pour te rencontrer. Nous venons au sommet, oh Dieu, pour te rencontrer. Nous venons au sommet, notre Seigneur, pour te rencontrer. Remplis-nous. Augmente la dose. Augmente la dose. C'est une manière de dire, je veux plus du Saint-Esprit. Reparero sakata barabosea. Oh ribo. Oh riba baba baba. Rebe zekeze arabararoseama. Seigneur, mon cœur s'exprime ce midi. Ah, mon frère s'exprime. Ma sœur s'exprime. Seigneur, remplis-nous. Rebosa. Aïe rebosa kata marabosi arabararararara. Uniquement, je lève mes mains pour toi. Seigneur, uniquement, je lève mes mains pour toi. Seigneur, je lève pour toi. Ce midi, nos mains sont levées. Nos mains sont levées pour toi. Nos mains sont levées. Aïe, je lève. Aïe, je désire être rempli, Seigneur. Aïe, 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 Seigneur, nous venons devant toi nous abandonner. Et lorsque nous disons, je lève mes mains, Seigneur, nous sommes en train de dire que nous sommes candidats pour que tu nous remplisses. Alors ne nous laisse même pas tel qu'on a commencé cette prière. Nos mains sont levées pour te dire que nous sommes candidats. Nous sommes candidats à la plénitude. Oh oui, je lève mes mains pour la plénitude. Je lève mes mains afin d'être rempli de toi. Aïe, remplis-nous.
Oh, remplis-nous, Seigneur, nous te supplions, Rebo Shaka Tamara. Remplis-nous, remplis-nous. Hey, Yaramarebos, mon frère, juste avec cette mélodie, exprime-toi devant ton Dieu et dis-lui ce que tu attends de lui. Dis-lui, Seigneur, remplis mon cœur, remplis mon cœur. Je veux plus de toi, oh Seigneur. Plus de toi, je veux plus de toi. Je veux plus de toi, Seigneur Jésus. Je lève mes mains, je veux plus de toi. Je lève mes mains, je lève mes mains. Je veux plus de toi. Je lève mes mains. Je veux plus de toi, Seigneur, je lève. Oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Oh, je veux plus de toi, Seigneur, je lève. Je veux plus de toi, Saint-Esprit, je lève. Oh, dis-lui, je veux plus de toi, Seigneur. Voilà pourquoi je lève mes mains ce midi. Seigneur, je lève. Oh, je veux plus de toi. Remplis mon cœur, je veux plus de toi. Ce midi, je veux plus de toi. Seigneur, je veux plus de toi pour un impact maximum. Je veux plus de toi pour plus de sainteté. Je veux plus de toi pour plus d'intimité. Je veux plus de toi pour plus te révérer. Je veux plus de toi pour que ma foi augmente. Je veux plus de toi pour que ma vie de prière augmente. Je veux plus de toi pour que mon parler en langue augmente. Je veux plus de toi pour que mon amour augmente. Que mon amour pour les saints augmente. Que mon amour progresse. Voilà pourquoi je veux plus de toi, Seigneur, pour être un meilleur citoyen. Je veux plus de toi, oh Seigneur, pour être un meilleur disciple de Christ. Je veux plus de toi, pour être un meilleur époux. Oh, je veux plus de toi, pour être un meilleur père. Je veux plus de toi, je veux plus de toi. Eleba, rebosea. Oh, il faut que tu me transformes. Il faut que tu me transformes. Reba, rebo, shaka, tama, rebosea. La Bible dit, le diable sait que Dieu existe. Il le sait tellement. Il le croit tellement qu'il en tremble. Alors moi qui ai choisi de donner ma vie au Seigneur, moi qui sais que tu existes, moi qui sais que tu es vivant, que devrais-je faire en plus? Si ce n'est, Seigneur, avoir plus de toi, vivre plus de toi. Vivre plus de toi. Plus de toi. Je lève mes mains. Je veux plus de toi. Je lève mes mains. Je veux plus de toi. Je lève mes mains. Je veux plus de toi. Remplis-moi à déborder. Le prie avec moi parce que ma sœur est en train de prier avec moi. Alors fais de cette prière tienne. Nous voici comme un seul homme devant toi. Rempli des cœurs assoiffés. Rempli des cœurs assoiffés. Seigneur, inspire cette exhortation. Inspire les pensées de nos cœurs. Inspire ce temps de prière. Nous désirons ta présence. Nous voulons être avec toi. Béni sois-tu. Nous apprécions qui tu es. Merci. Sois glorifié. Sois élevé. Sois exalté. Sois valorisé. Sois respecté. Béni sois-tu. Dans le nom de Jésus. Avec action de grâce.
nous avons prié. Et ensemble, nous disons très fort Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus le Christ. Bienvenue à vous qui nous rejoignez. Et nous vous saluons dans le nom de Jésus. Nous allons poursuivre, bien-aimés, nos points de prière. Bon, après avoir pris la portion de la pensée du Seigneur, nous sommes en train de parler de la prière dans l'esprit ou encore ce qu'on appelle communément le parler en langue. Après avoir parlé de l'expérience du Saint-Esprit indispensable, indispensable en ce temps de crise, Jésus a dit en Marc 13 que des temps difficiles viendront, des temps de persécution viendront, mais ne faites rien sans le Saint-Esprit. On peut résumer sa pensée comme ça. Ne faites rien sans le Saint-Esprit. Ne répondez pas sans le Saint-Esprit. Ne parlez pas sans le Saint-Esprit. Ne priez pas sans le Saint-Esprit. Et on a vu que c'est ce que les disciples ont fait. Et nous avons dit qu'il était important de faire donc cette expérience avec le Saint-Esprit. Cette expérience de la plénitude du Saint-Esprit, mais aussi cette expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Et nous avons expliqué que un des signes qui caractérise le baptême du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Et le parler en langue est tellement puissant, tellement glorieux. Le parler en langue a tellement de vertus spirituelles que le Saint-Esprit nous a conduits à rester dessus. Et nous avons expliqué que l'apôtre Paul nous a dit que le parler en langue est une arme. Dans Éphésiens 6, verset 18, alors que l'apôtre Paul est en train de dérouler les armes avec lesquelles nous devons combattre, il finit avec cette arme au verset 18 d'Éphésiens 6. Il nous dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Donc la prière par l'Esprit est une arme. Pas pour vaincre les petits sorciers de la famille, mais pour vaincre et triompher des dominations, des autorités, des esprits méchants dans les lieux célestes, bien-aimés. Nous sommes armés pour vaincre l'armée de Satan. Et donc, en ces temps que nous sommes en train de passer, nous sommes en train de passer de vivre un jour mauvais, un jour où nous constatons sous nos yeux la méchanceté manifeste de l'ennemi. Et nous avons dit hier encore, je suis vos informations, que les autorités françaises disaient par exemple qu'ils sont conscients que cette crise sanitaire est en train de laisser place à une crise économique et à une crise sociale. Alors ils sont en train de parler des plans de riposte ou encore comment relancer l'économie, comment faire pour ne pas fragiliser le tissu social. Et bien de la même manière, le Seigneur aussi nous enseigne que nous avons cette responsabilité de porter la riposte spirituelle. Dis avec moi la riposte spirituelle. Et nous avons donc expliqué que nous avons dit que le parler en langue est un privilège en ce que Dieu lui-même écoute directement notre prière. Quand nous parlons en langue, nous avons le privilège de parler directement à Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Personne ne comprend, ni les anges, ni Satan, ni ses démons, même pas toi-même. Sauf s'il te donne le don d'interpréter. Donc le parler en langue, c'est la prière par laquelle ou avec laquelle nous parlons à Dieu directement. C'est l'arme avec laquelle nous parlons à Dieu directement. Nous avons dit que le parler en langue nous permet de dire à Dieu des mystères au sujet de notre avenir, des mystères au sujet de notre foyer, des mystères au sujet de nos projets, des mystères au sujet de notre ministère, au sujet de notre vie spirituelle, des mystères. Et notre cerveau est trop faible et trop petit pour avoir la compréhension de ces mystères. Donc quand on prie en langue, on dit des mystères. Mon frère, ma soeur, tu ne sais pas ce qui t'est réservé dans 2 ans. Tu ne sais pas ce qui t'est réservé dans 4 ans. La vérité, c'est que Dieu a formé sur nous des projets de paix. Et ces projets-là, ce sont des trésors. La Bible dit que ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues. Alors pour les emmener en manifestation, nous avons une responsabilité. Lorsque nous prions en langue, nous sommes en train d'aller prendre dans l'esprit ces projets mystérieux, ces projets glorieux que Dieu a prévus exclusivement pour nous, pour qu'ils soient manifestés sur la terre. N'oublions jamais que la création entière
attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Mais lesquels fils de Dieu? Ceux qui vivent et qui manifestent des mystères. Donc, bien-aimés, le Seigneur nous a montré, nous a appris et nous encourage à prier continuellement par l'Esprit. Et nous avons aussi dit que lorsqu'on prie par l'Esprit, bien-aimés, on s'édifie spirituellement. C'est-à-dire, on fortifie son homme intérieur. On devient plus fort en esprit quand on prie par l'Esprit, quand on prie en langue. Bien-aimés, il y a des expériences spirituelles que l'on ne pourra pas affronter. Il y a des expériences spirituelles venant de la part de l'ennemi, des tentations spirituelles, des épreuves spirituelles que l'on ne pourra pas résister si nous ne sommes pas forts spirituellement. Et c'est ce que le Seigneur nous a expliqué. Et on a donné l'exemple de Jésus dans le désert. On a donné l'exemple de l'apôtre Paul. Il était tellement fort que malgré les tentations, il était toujours vainqueur. Il était tellement fort en esprit. Il priait tellement en langue, selon qu'il a dit dans 1 Corinthiens 14. Il priait tellement en langue, plus que tout le monde. Il priait tellement en langue. Et son esprit était tel, vous tous. Donc nous devons aspirer à atteindre le niveau de Paul. Aspirer à parler en langue plus. Alors j'observe ma vie de prière l'année dernière. J'observe ma vie de prière le mois dernier. Est-ce que ce mois-ci, tu peux dire que tu parles en langue plus? Plus, ça veut dire qu'on doit évoluer, augmenter dans le parler en langue, bien-aimé. On doit augmenter dans la prière en langue. Quand tu pries en langue, tu édifies ton homme intérieur. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, nous allons voir notre bienfait du parler en langue. Toujours en nous basant dans notre texte. 1 Corinthiens 14, verset 17. Il dit, quand tu parles en langue, tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce. Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce. Bien-aimé, pendant que tu es en train d'écouter le Seigneur, tu es en train de parler en langue. Et il nous dit ici, quand tu pries en langue, tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce. Donc, bien-aimés, nous allons voir un peu aujourd'hui comment le parler en langue nous sort de la crise. Comment la puissance de l'action de grâce qui est exprimée dans le parler en langue est une solution en temps de crise. Parce que nous sommes en temps de crise, bien-aimés. Et la crise, quand on parle de crise, elle a plusieurs caractéristiques. Quand on est en crise, on est en privation. Quand on est en crise, on est en manque. Quand on est en crise, bien-aimé, on ne peut pas avoir ce qu'on veut comme on veut. Quand on est en crise, nos libertés sont réduites. Quand on est en crise, notre épanouissement est menacé. Quand on est en crise, le système n'est plus normal. L'ordre que Dieu veut que nous puissions vivre est menacé. Alors, bien-aimés, nous allons voir l'impact du parler en langue en temps de crise. Vous savez, celui qui parle en langue, en général, il donne l'impression qu'il est ivre. Parce que celui qui parle en langue, il est rempli de l'esprit. Il est rempli de l'esprit au point de déborder. Et la Bible dit dans Éphésiens 5 au verset 18, la Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, mais au contraire, soyez remplis de l'esprit. Donc, le vin et l'esprit ont les mêmes effets, sauf que un a des effets négatifs et l'autre a des effets positifs. Quand tu prends le vin, tu es rempli de vin, le vin se saisit de toi et tu perds le contrôle de ta nature. Quand tu es rempli de l'Esprit, l'Esprit de Dieu se saisit de toi et tu perds le contrôle de ta nature naturelle. Si je peux me permettre la tautologie. Tu perds le contrôle de ton naturel, mon frère. Au point que quand les gens te regardent, on va dire ce type n'est pas normal. Quand les gens te voient prier, on va dire ce frère n'est pas normal. Alors déjà, on va voir une image dans l'Ancien Testament. Il y a une femme bien-aimée. Une femme qu'on appelle Anne, tu connais l'histoire. Et cette femme, elle vivait une crise personnelle. Une crise personnelle au point qu'elle n'avait pas d'enfant. Alors, c'était une crise pour elle. Elle était en manque d'enfant.
Et cette crise l'a conduit dans la présence de Dieu. Cette crise l'a conduit continuellement dans la présence de Dieu. Elle allait à la montagne. Elle allait pour prier. Elle montait en hauteur. Elle voulait augmenter son niveau spirituel. Parce qu'elle savait que le problème n'était pas une fatalité. La fatalité, c'était de déclencher le mystère par l'esprit. La fatalité, c'était de déclencher le mystère. Alors elle s'est dit, non, je ne croiserai pas les bras. Même si ma rivale se moque de moi, moi je veux monter en esprit. Je veux monter et faire cette expérience spirituelle. Alors elle allait dans ce lieu qu'on appelle Silo. Alors mon frère, quand elle arrive à cet endroit, cette femme qui est contrôlée totalement par l'esprit, va prier d'une manière étonnante, au point que même le prophète, lui-même le prophète Élie, va être choqué. Mon frère, Élie est prophète, je raccourcis l'histoire. Élie est prophète. Et quand il observe Anne prier, il se dit, il y a quelque chose qui se passe. Je n'ai jamais vu, depuis que j'ai grandi en Israël, depuis que je suis ministre de Dieu, depuis que je suis sacrificateur, depuis que je suis prophète, je n'ai jamais vu quelqu'un prier comme ça. Alors cette femme, elle n'est pas en train de prier. Alors Anne était là. Elle ne pensait pas à sa crise, mais elle est venue confronter sa crise avec une image, une forme de parler en langue. 1 Samuel 1, verset 11. La Bible dit, elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu donnes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie pas ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, elle demande un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie et le rasoir ne passera point sur sa tête. Alors elle est en train de prier. Et plus elle est en train de prier, alors le prophète Élie va remarquer, regardez le verset 12, comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, longtemps en prière, comme les disciples aussi persévéraient dans la chambre haute, elle aussi elle était là longtemps en prière, longtemps en prière. Alors Anne parlait dans son cœur, elle était longtemps en prière, le Saint-Esprit va la saisir. Et quand le Saint-Esprit va la saisir, bien aimé, en fait, c'est comme si le vocabulaire de sa prière a changé. Et Anne, elle est en train de prier. La Bible dit qu'elle ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Et Élie pensa qu'elle était ivre, bien-aimée. C'est une image. Il pensa qu'elle était ivre. Quand il est en train de voir Anne, il regarde Anne. Élie est prophète. Et quand il voit Anne, il dit non, il y a quelque chose qui se passe. Il voit cette femme qui est là juste en train de... Elle perd le contrôle. Il dit, mais cette femme qui est venue prier, comment elle peut venir prier sous un état d'ivresse? Alors Élie va faire comme s'il se fâchait. Il dit, Anne, tu ne peux pas prier en état d'ivresse. Fais passer ton vin. Mais là, Anne va lui dire, non, mon prophète, non, mon Seigneur, je ne suis pas ivre de vin. Mais si tu pouvais savoir, je suis en train de faire une expérience. Aïe, aïe, aïe. Je suis en train de faire une expérience. Quelle expérience, Anne, tu es en train de faire? Il dit, c'est une expérience avec le Saint-Esprit. Et cette expérience que Anne a fait, les apôtres, le jour de la Pentecôte, dans Acte 2, la Bible dit dans Acte 2 que le jour de la Pentecôte, les apôtres vont faire la même expérience. Ils étaient là dans la chambre haute. Alors le Saint-Esprit va venir soudainement. Il va descendre soudainement au point que toute la ville sera étonnée. Alors quand on est venu voir ce qui se passait à Jérusalem, dans cette chambre haute, dans Acte 2, verset 13, la Bible dit, au verset 13 de Acte 2, « Mais d'autres se moquaient d'eux et disaient, ces gens, ils sont pleins de vin doux. » Ils sont en train de faire la même expérience que Anne. Qu'est-ce qui s'est passé? Saisis, contrôlés par le Saint-Esprit. Alors ils sont en train de prier. Ils vont prier comme jamais ils n'avaient prié. Comme Anne, elle a prié comme jamais elle n'avait prié. Mon frère, ma soeur, quand tu pries en langue, tu es en train de prier comme jamais tu n'avais prié. Saisi et contrôlé par l'esprit. Est-ce qu'il y a un homme qui est contrôlé par l'esprit ce midi? Juste avant de continuer, bien aimé, nous aussi, nous voulons faire cette expérience. Alors élève la voix et commence simplement à prier en langue. Comme un homme qui est ivre de l'esprit. Nous ne sommes pas
ivres de vin. Nous ne sommes pas ivres d'alcool. Mais l'apôtre Pierre a dit non. Ces hommes que vous voyez, ces gens que vous voyez, c'est la troisième heure du jour. Ils ne sont pas ivres. Ils ne sont pas ivres d'alcool. Mais ils sont en train d'expérimenter ce que Joël avait annoncé. L'Esprit est répandu sur eux. Maintenant aussi, ce midi, l'Esprit est répandu. Avant d'arriver sur l'excellente action de grâce, bien-aimé, si l'Esprit te saisit, alors que le Saint-Esprit est déjà là, élève la voix, selon qu'il est écrit, priez en langue sans cesse. Rabarebo, sharaba, prarabarabarabaraba. Un homme qui a perdu le contrôle, une femme qui a perdu le contrôle de son naturel, est en train d'élever la voix. Et quand on entend prier, on dit, on a l'impression qu'il est sous. Imagine un homme qui est ivre. Quand il parle, ses propos n'ont plus de sens. On n'entend plus bien ce qu'il dit. On ne discerne plus bien ce qu'il dit. Alors toi, quand on entend prier, mais ils ne savent pas qu'on appelle ça le parler en langue. On ne discerne pas bien sa prière. Pourquoi? Il sort des paroles, mais en réalité, inspiré par l'Esprit. Rapapapapapa. 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 Papa, 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 papa. On a un langage incompréhensible. Le Saint-Esprit te remplit maintenant. L'Esprit de Dieu déborde maintenant. Et tu parles en langue. Et tu parles en langue. Répa papa. Papa papa. Papa papa. Répa papa papa. Répa papa papa. Répa papa. Oh charabaraba. Charab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 ar
proko to gozea. Re papa. Re papa 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 papa. Re papa 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 papa. Parle l'homme. Oh merci. Oh merci. Oh merci. Merci. Merci Jésus. Merci pour la plénitude de l'esprit. Merci de ce que l'esprit nous contrôle. Et l'esprit me saisit. Quand l'esprit nous saisit, on perd tout notre naturel. De la même manière que quelqu'un qui est ivre d'alcool, on ne comprend plus son langage. Bien-aimé, c'est une métaphore que le Saint-Esprit nous a montrée pour nous expliquer ça simplement. Quand un homme est sous d'alcool, on ne discerne plus son langage. Si tu es rempli de l'esprit à déborder, quand le Saint-Esprit te contrôle, tu veux dire Seigneur, mais ça sort en langue. Papa, 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 papa. Alors tu veux dire merci Seigneur. Et là tu entends dire répa ta gaza, prokoso kataba, reketeba. Tu as envie de dire Seigneur merci pour la journée, mais tu es tellement rempli. Prokoso, prakasa, repakasa, reketeseya. Et c'est ça qui est arrivé à l'église de Corinthe. C'est ça qui est arrivé aux Corinthiens. Alors Paul leur dit, c'est vrai que quand tu es saisi par l'esprit et quand tu pries par l'esprit, il dit, il est vrai que tu rends d'excellentes actions de grâce. Aïe, aïe, aïe. Tu rends d'excellentes actions de grâce. Alors on a vu cette image avec Anne dans l'Ancien Testament. C'était une figure du parler en langue. Alors Anne, elle était tellement remplie de l'esprit, enfin tellement contrôlée par l'esprit, tellement saisie par l'esprit, parce que c'est l'Ancien Testament, l'esprit n'était pas en elle, mais elle était contrôlée par l'esprit, saisie par l'esprit. Alors elle n'arrivait plus à parler dans sa langue naturelle. Elle veut parler, mais c'est juste ses lèvres qui se remuent. Et quand Élie se rapproche pour entendre, il entend juste pra, pra, pa, 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 pra, pa, 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 pa. Pra pa 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 pa. Pra pa 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 pa. Et la Bible dit que celui qui prie en langue, il rend d'excellentes actions de grâce. Alors bien aimé, regardez. Déjà dans l'Ancien Testament, avant qu'on aille dans le Nouveau Testament, regardez l'impact du parler en langue sur la crise de Anne. Regardez comment elle va transformer sa crise en excellent résultat. Parce qu'elle va engager, déclencher le parler en langue. Alors qu'elle avait demandé un seul enfant. Et tu vois, quand elle parle en langue, elle n'est même pas consciente que celui qui parle en langue, il est en train de rendre d'excellentes actions de grâce. Alors Dieu sait qu'elle a demandé un enfant. Mais Dieu est obligé de se souvenir d'elle. Parce que Dieu aime ceux qui lui rendent grâce. Alors il a vu, sur la terre, il y a quelqu'un qui a une crise qu'on appelle stérilité. Une crise qu'on appelle stérilité, c'est-à-dire que coronavirus est venu, il ne travaille plus. Coronavirus est venu, il n'a plus de salaire. Coronavirus est venu, le salaire a diminué. Coronavirus est arrivé, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors imagine les crises de ta vie. Imagine les crises que tu traverses. Imagine les crises qui viennent te déstabiliser. Mais Anne n'a pas pleuré devant les hommes. Elle est allée tellement répandu son cœur dans la présence de Dieu pendant longtemps. Elle a été saisie par l'esprit et elle s'est retrouvée en train de parler en langue. Alors regardez ce que l'action de grâce a produit dans la vie de Anne. La Bible dit premièrement, l'Éternel s'est souvenu de Anne. L'Éternel s'est souvenu de Anne. L'Éternel s'est souvenu de Anne. Alors, comme l'Éternel s'est souvenu de Anne, Anne, la Bible dit, Elkana son mari connut Anne et elle enfanta un enfant qu'elle a appelé Samuel. Alors Anne a demandé un seul enfant, ça suffisait pour elle. Maintenant regardez comment son espèce de parler en langue, regardez comment son excellente action de grâce va amener Dieu a ajouté à Anne 5 enfants qu'elle n'a pas demandé. Dans 1 Samuel 2, verset 21. 1
1 Samuel 2, verset 21, la Bible dit, lorsque l'Éternel eut visité Anne, oh bien-aimé, par le parler en langue, l'Éternel te visite ce midi. Amen. Je dis par le parler en langue, le Seigneur te visite ce midi. Amen. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devient enceinte. Là, elle n'a plus demandé. On l'a visité parce que son action de grâce était tellement excellente. On l'a visité. Elle enfanta 3 fils et 2 filles. 3 fils et 2 filles. Elle a eu 5 enfants supplémentaires et 5 bien-aimés. Le Seigneur me dit, c'est le chiffre de la grâce. Il y a quelque chose que tu attends de Dieu et tu es en train de lutter. Dieu dit maintenant ce midi, pendant que tu vas rendre grâce en langue, pendant que tu vas rendre grâce et tu vas rendre une excellente action de grâce, Dieu te fait rentrer dans l'univers de la grâce, dans l'univers de la faveur. 5, c'est le chiffre de la grâce. Alors mon frère, ma soeur, nous allons encore élever la voix et tu vas connecter à ta grâce par ton excellente action de grâce. Élève la voix et commence à parler en langue. Là où tu attends Samuel, en plus de Samuel, l'action de grâce va ajouter dans ta vie. Répatère et bossère. Parce que tu rends d'excellentes actions de grâce, Dieu dépose sur toi sa grâce. Une excellente action de grâce, Dieu dépose une excellente grâce. Une excellente action de grâce, Dieu te visite avec une excellente grâce. Alors mon frère, ma soeur, décroche cette excellente grâce de la part de Dieu. Il va déverser sur quelqu'un une excellente grâce. Alors fais monter aussi une excellente action de grâce. Fais monter, fais monter. Bra, bra, pa, 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 pa. Bra, reba. Re, pa, pa, pa. Re, pa, pa, pa. Re, pa, pa, pa. Re, pa, 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 pa. Roko, soko. Ra, ka, 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 sa. Ra, pa, 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 pa. Rapa papa 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 papa, fais monter une excellente action de grâce. Et le Seigneur, il nous visite avec une excellente grâce. Une excellente grâce. Attire dans ta vie une excellente grâce. Attire dans ton foyer une excellente grâce. Attire dans ton travail une excellente grâce. En ce temps de crise, attire mon frère cette excellente grâce. Alors comment tu l'attires? Par une excellente action de grâce. Aïe, 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 aïe. Robo, c'est que t'es bon. Robo, bo, 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 bo. Raba, ba, 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 ba. Rebaba. Parle en langue. Parle en langue. Augmente. 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 Reba, raba, raba, raba. Reba, raba, raba, raba. Reba, raba, raba, raba. Hey, ya, raba, 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 raba. Ya, raba, raba, raba. Quelqu'un veut prier. Yébare, 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 chaka tous et kataba, chaka tous et kataba, je que te balaya, je que te balaya, re que te balaya, aïe, kandelevo, chaka tama, raba, 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 raba. Quand tu parles en langue, j'attire dans ta vie une excellente grâce. Anne n'a pas demandé. Elle avait juste donné une excellente action de grâce. Elle a été visitée avec une excellente grâce. Il y a une excellente grâce qui vient sur toi. Une excellente grâce. Quand tu rends grâce en langue, c'est excellent. C'est excellent. Rebabababa. Rebabababababababa. Reba. Répandez les bosses, rakasa katabarabas, yerebarebosha yaraba, yerebosha katabaraba, yerebarabaraba, yerebarabarabaraba, shakatabaraba, shokatabaraba. Y a-t-il quelqu'un qui veut prier, rendre d'excellentes actions de grâce? Marebosa, passe au niveau excellent, passe au niveau excellent. Yere mare bosse arabarara, yere mare bosse arara, uoro bosse kayarabarara, yere mare bosse arabarara, rekata barabara bosse, mare bosse, monte encore, monte encore, monte encore, ne t'arrête pas, parle en langue, rends d'excellentes actions de grâce.
attire sur toi une excellente faveur, une excellente grâce. Attire sur toi. Attire sur toi une excellente faveur. Attire sur toi une excellente faveur, une excellente grâce. Yere bossa, yere baba baba baba, yere baba bossa. Continue mon frère, continue mon frère. Re baba baba baba, oh re baba 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 baba. Dieu te visite pour une excellente grâce. Dieu te visite pour une excellente faveur. Alors attire-la dans ta vie. Déclenche-la dans ta vie. Par une excellente action de grâce. En parlant langue. En parlant langue. En parlant langue. Robo se que te mare. Yere mare bosse à la barara. Mare bosse. Wo mare brosse à barara. Wo mare brosse. Yereba. 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 Yereba la la la. Wo shaka tabara. Yereba. 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 Repa papa. Fais monter une excellente action de grâce. Une excellente action de grâce. Passe au niveau excellent. Passe au niveau excellent. Yere bara la 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 la. Wow 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 wow. Ayere bos. Ayere bos. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh bien-aimé. La pensée du Seigneur est claire. Quand nous parlons langue, nous rendons à Dieu d'excellentes actions de grâce. Et quand nous rendons d'excellentes actions de grâce, Dieu ne nous visite pas avec une grâce, mais lui aussi, il nous visite avec une excellente grâce. Anne n'avait demandé que Samuel, mais par son action de grâce excellente, Dieu a ajouté à Anne 5 enfants qu'elle n'avait pas demandé. Ça veut dire, bien-aimé, qu'il y a un mystère dans l'action de grâce. L'action de grâce ajoute à ta vie le peu que tu as. Bien-aimé, peut-être que tu as 1. Rends grâce à Dieu pour avoir 6. Et c'est ce que nous enseigne l'histoire du lépreux qui est revenu parmi les 10. Dans Luc 17, tu connais cette histoire du lépreux. Et la lèpre aussi, c'est une forme de crise. Voilà 10 lépreux, crise sanitaire, frappé par le coronavirus. Alors ces lépreux vont voir Jésus. On est dans Luc 17. Et à l'époque, les lépreux bien-aimés, on les mettait à l'écart. C'est une forme de confinement. Alors ils vont voir Jésus pour dire, Seigneur, nous venons vers toi. Nous avons appris que c'est toi qui guéris. Alors, nous venons vers toi. Guéris-nous. Guéris-nous, toi qui as le pouvoir de guérir toute maladie. Toi qui as le pouvoir de guérir toute infirmité. Sors-nous de ce coronavirus. Sors-nous de ce confinement. Sors-nous. Alors Jésus va leur dire, allez vous montrer au sacrificateur. Parce que c'est le sacrificateur qui doit valider la sortie du confinement. C'est lui qui doit dire que tu n'es plus lépreux. Maintenant tu peux vaquer à tes occupations. Donc c'est les spécialistes de la santé. C'est eux qui voient les indicateurs pour dire que oui, maintenant c'est bon, on peut se rassembler. Oui, maintenant c'est bon, vous pouvez vaquer à vos occupations. Maintenant c'est bon, tu peux prendre le métro. Maintenant c'est bon, tu peux prendre le taxi. Maintenant c'est bon, on peut ouvrir les frontières. C'est ça. Jésus leur dit, allez vous montrer chez le sacrificateur. Parce que surnaturellement, toutes les zones rouges sont passées au vert par une seule parole de Jésus. Il n'y a plus de ville rouge dans la carte. Il n'y en a plus. Parce que le Seigneur Jésus a parlé. Ah mon frère, là on a dit que tu étais rouge, là on a dit que tu étais orange, c'est-à-dire que tu es stoppé, c'est-à-dire que tu es au ralenti. Mon frère, ma soeur, par la puissance du Saint-Esprit, tu changes de statut au nom de Jésus. Amen. J'ai dit, par la puissance du Saint-Esprit, tu changes de condition au nom de Jésus. Amen.
par la puissance du Saint-Esprit, tu changes de condition au nom de Jésus. Amen. Jésus a donné la parole. Il dit, votre condition change. Ne regardez pas votre peau. Ne regarde pas ta peau qui est blanche. Ne regarde pas la carte qui est rouge. Amen. Il dit, je dis que la carte sera verte parce que ton entreprise va rouvrir. Je dis que ta carte sera verte parce que ton business doit recommencer. Amen. Alors, bien-aimé, pendant qu'ils sont en train de partir, la Bible dit dans Luc 17, un des lépreux, se voyant guéri, il dit, surprise, les amis, notre condition a changé. Luc 17, on est au verset 15. L'un d'eux se voyant guéri, il dit non. Avant d'arriver chez le sacrificateur, je vais d'abord repartir chez le souverain sacrificateur, le sacrificateur des sacrificateurs, le roi des rois. Je vais repartir vers lui parce qu'il y a un principe, bien-aimé. Alors le lépreux va retourner vers Jésus. Et quand il arrive, Jésus est choqué. Il va lui dire, où sont les neuf autres? Où sont les neuf autres? Parce que Dieu s'attend toujours à ce que nous puissions lui rendre grâce. Dieu a suscité l'action de grâce pour briser l'orgueil des hommes. Amen. On doit toujours revenir vers Dieu pour dire merci. Amen. Alors il va revenir. Jésus va lui dire, où sont les neuf autres? Où sont les neuf autres qui ont eu la guérison? Ils sont partis. Mais parce que toi tu as compris ce principe, en plus de la guérison, parce que tu es revenu dire merci, j'ajoute à ta guérison le salut. Alors cet homme qui avait été déclaré déconfiné, il est parti les mains vides. Alors il va être déconfiné avec un plus. Et il a eu la guérison, il a eu en plus le salut. Mais maintenant à toi et à moi, Paul maintenant nous dit que nous qui sommes nés de nouveau, n'oubliez pas que cet homme, c'était un Samaritain. Ce n'était même pas un Juif. Ce n'est pas un fils d'Abraham. Il n'est pas dans l'Alliance. Mais à nous qui sommes dans l'Alliance, Paul nous dit, quand tu parles en langue, tu rends d'excellentes actions de grâce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu auras plus que le Samaritain. Amen. Quand tu parles en langue, en rendant d'excellentes actions de grâce, non seulement tu auras un plus, mais tu auras un plus excellent. Je ne sais pas ce que tu attends, mon frère. Je ne sais pas ce que tu veux vivre, ma soeur. Mais avec le peu que tu as, je t'annonce ce midi, en plus de la grâce de tout à l'heure, tu auras un plus excellent. Amen. C'est une chose d'avoir un foyer, mais c'est autre chose d'avoir un foyer excellent. C'est une chose d'avoir un travail, mais c'est autre chose d'avoir un travail excellent. C'est une chose d'avoir une bénédiction financière, mais c'est autre chose d'avoir une excellente bénédiction Amen. Financière. Peut-être que ce midi, quelqu'un veut rentrer dans la dimension du plus excellent. Bien-aimé, comment tu attires le plus excellent? Une excellente santé est différente d'une santé simplement. Alors bien-aimé, même si tu es en bonne santé, mais l'excellente santé vaut mieux que la bonne santé. Si tu veux vivre la dimension du plus excellent, ajoutez à ta vie ce qui est excellent. Je veux simplement, bien-aimé, qu'ensemble nous puissions, comme des enfants de Dieu qui avons compris le mystère de l'action de grâce par le parler en langue, commençons simplement à parler et à faire monter une excellente action de grâce. Rago, raga, yarabarabarabarabarabo, baro, baro, ayarabarabo, rebarabo, l'excellent, l'excellente action de grâce. Ouvre les portes de l'excellent. L'excellente action de grâce ouvre les portes de l'excellent. Ça veut dire que tu dois faire plus que le lépreux. Ma soeur, tu dois faire plus que le lépreux. Mon frère, tu dois faire plus que le lépreux. Alors fais plus que le lépreux. Fais plus aux yeux de Dieu, aux oreilles de Dieu. Fais plus que le lépreux. Commence à dire merci en langue. Rends grâce à Dieu en langue. Fais plus que le lépreux.
Rababababa. Reboze Ketebara. Baregeze Ketebara. Ragoze Ketebara Baraba. Oh, quelqu'un rentre dans le secret. Quelqu'un rentre dans le mystère. Fais plus que les lépreux. Fais plus que les lépreux. Fais plus que les lépreux. Rebararara. Je t'attends à un niveau supérieur. Je t'attends à un niveau supérieur. Je t'attends à un niveau supérieur. Alors fais plus. Fais plus que les lépreux. Je t'attends à un niveau supérieur. Fais plus que les lépreux. Fais plus que les lépreux. Parle en langue. Rends grâce en langue. Celui qui rend grâce en esprit, il rend d'excellentes actions de grâce. Rends grâce en langue. Rends grâce en langue. Yeah. Rebara bara 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 bara. Quelqu'un en train de monter. 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 Rends grâce à l'homme. Oh mon frère, change ta condition. Change ton niveau. Change ton statut. Marebos. 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 Yerebababababa. Rends excellentes actions de grâce. Wow, reba baba baba. Yere baba baba. Yere baba baba. Attire dans ta vie le plus excellent. Attire dans ta vie le plus excellent. Attire dans tes finances le plus excellent. Attire dans ton travail le plus excellent. Attire pour ta santé le plus excellent. Attire pour tes enfants le plus excellent. Sors de la crise par le parler en langue. Impacte la crise par ton parler en langue. Impacte la crise par ton parler en langue. Pénètre d'autres sphères. Pénètre d'autres sphères. Parle, parle en langue. Waré baba baba baba. Waré baba baba. Pénètre d'autres sphères. Parle, parle en langue. Waré baba. Waré baba baba. Ricande le boss. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Azikate. 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 Marabosa Katama. Ah mon frère, ma soeur, tu seras déconfiné, totalement différent. Tu seras déconfiné, totalement différent. Tu seras déconfiné avec un plus excellent. Tu seras déconfiné en suscitant l'étonnement. Tu seras déconfiné en suscitant l'étonnement. Répapapapapa. La barabaraba. Yerebos. Yerebos. Continue à prier en langue. Rends d'excellentes actions de grâce. Rends d'excellentes actions de grâce. Pour expérimenter un ajout excellent. Pour expérimenter un plus excellent. Mon frère, tu changes de niveau. Ma sœur, tu changes de niveau. Par cette excellente action de grâce, tu changes de niveau. Repapapa. Parle en langue. Rends d'excellentes actions de grâce. D'excellentes actions de grâce. D'excellentes actions de grâce. Wow, 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 wow. Whoa, 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 whoa. Reba, 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 ba, 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 reba, ba, ba, reba, ba, 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 reba, ba, 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 reba, ba, 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 reba, ba, 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 reba, ba, 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 reba, ba, 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 ba,
Robo. Marebos. L'apôtre Paul dit, quand tu pries en langue, il est vrai, tu rends d'excellentes actions de grâce. Ça veut dire que la vraie action de grâce, elle est excellente. Ça veut dire que la vraie action de grâce se rend en langue. Et comme il est vrai que tu rends d'excellentes actions de grâce, alors il est vrai que Dieu ajoute à ta vie ce que tu n'avais pas. Dieu ajoute à ta vie ce que tu n'avais pas encore expérimenté. Amen. Alors ce midi, je déclare dans le nom puissant de Jésus, parce que tu as rendu d'excellentes actions de grâce en langue, je dis il est vrai, c'est-à-dire que c'est la vérité. Dieu ajoute sur ta vie, Amen, tout ce qui te manque dans le nom, Amen, puissant nom de Jésus. Jésus. Il a dit il est vrai, ça veut dire que c'est la vérité. Alors au nom puissant de Jésus, je déclare cette bénédiction supplémentaire. Amen. Au nom de Jésus, je déclare cette guérison qui te manque. Au nom puissant de Jésus, Amen, je déclare cette paix qui te manque. Au nom puissant de Jésus, je déclare cette faveur supplémentaire. Il est vrai, tu expérimenteras ce plus qui te manque. Et c'est un plus excellent. Amen. Je te vois changer de niveau. Je te vois changer de niveau. Je te vois changer de condition. Amen. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare sur la vie de quelqu'un, tu changes en ce mois de juin. Tu changes de niveau. Tu changes de condition. Ton histoire change. Ton témoignage change. Il est vrai. Ton témoignage change. Il est vrai. Ta condition change. Durant ce mois de juin, tu le témoigneras. Au nom puissant de Jésus. Oh Père, merci. Merci pour le parler en langue. L'action de grâce de la nouvelle création doit être excellente. C'est pourquoi en ce jour, nous t'avons rendu une excellente action de grâce. Parce que Dieu veut que notre action de grâce soit différente de celle du Samaritain. Dieu veut que notre action de grâce soit différente de tous ceux qui ne sont pas dans l'alliance. Alors toi et moi qui sommes dans l'alliance, plus que jamais, mon frère et ma sœur, désormais, faisons bon usage de ce secret divin, rendant d'excellentes actions de grâce. Dieu s'attend de toi et de moi d'excellentes actions de grâce, parce qu'il veut libérer sur ta vie un plus excellent. Alors reçois ton plus excellent au nom de Jésus. Amen. Reçois ton plus excellent au nom de Amen. Jésus. Père, dans le nom de Jésus, nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour ce midi. Nous te rendons grâce pour cette prière que tu as inspirée. Merci pour mon frère, merci pour ma soeur. Merci pour le plus excellent que nous allons expérimenter. Merci pour l'ajout. Merci parce que nous avons compris que l'action de grâce ajoute. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Béni sois-tu. Lebra, lebrosea. À toi seul et à personne d'autre. Sois louange, honneur, action de grâce et acclamation. Dans le nom de Jésus, nous avons prié et rendu grâce. Nous disons Amen, Amen. Amen. Nous disons Amen. Amen, 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 Amen. À cette prière, à cette parole, nous disons Amen, Amen, Amen. Cette prière, nous disons Amen, Amen.